Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qu'on fait tout le temps avec Marjo, c'est-à-dire la vidéo des soldes round 2. Ouais. Enfin, Lucien de... Ouais, du coup, t'avais pas commencé, t'as fait... Si, j'ai fait sur Zalando. Ouais. Et Facultivement. Et en fait, tous les ans, bah, je vous ai déjà fait une première partie des soldes où moi, je vous ai montré, voilà. Et là, on fait la dernière démarque. Elle est venue exprès de Amiens pour pouvoir attaquer les magasins parisiens. Voilà. On a fait des très belles découvertes. Et je trouvais que c'était bien... Bah, il y avait plus de remises que la première fois, mais c'était pas... On a quand même pris... Il n'y a qu'un truc qui n'est pas en solde. Enfin, deux, toi. Ouais. Mais sinon, c'était 100% solde. Il y a des trucs qu'on cherchait, entre guillemets, genre des chaussures, des trucs comme ça, mais non. Ouais, même pas. Ouais. Ah, t'avais aussi acheté un... T'as pas sorti ton petit piercing, mais de toute façon, c'est un peu compliqué à montrer. Hein. Ah oui, on n'aurait pas le droit. Oui, exact. Mais c'était pas soldé non plus. Ouais, c'était pas soldé, mais bon, c'est pas grave. Pour information, on est parti au centre commercial de Belle Épine. En revenant, on a fait le centre commercial de Vélizy. Et en revenant de Vélizy, on a fait tout plaisir en fait. Il y a le centre commercial. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois, j'oublie. Je sais pas, je l'appelle au Paris Nord, le pauvre. Non. Bref, et, One Nation. Et puis, on a fait le grand plaisir. Voilà. Et après, on est parti au Factory. Et on n'a rien trouvé au Factory. Comme ça, vous le savez déjà. Ouais, dégoûté. Alors désolé pour cette tête, je sais pas ce que j'ai depuis hier, j'ai des bouffées de chaleur, je n'en peux plus. En même temps c'est la canicule, mais là mon corps il coopère pas. On commence par le... Tu vas fondre. Je vais fondre, je te jure, mais que c'est du moche. Visage, c'est trop chelou. On commence par le... ça comme ça, la ouais. Plus grosse, la bonne affaire. Ouais, bah non, ou alors on la met en dernier. Ouais, justement, tu fais languir ton... Ton audience. Maintenant que je vous en ai parlé. Bravo. Vous savez que à One Nation, donc à Plaisir One Nation, enfin le centre commercial One Nation, il y a un Levi's Outlet où vous avez déjà les produits Levi's qui arrivent en prix Outlet. Hein. Et il y a des soldes sur ça. Et pour un produit acheté en ce moment, la fin des soldes, vous avez le deuxième à moins 50%. Donc on s'est dit, vas-y, viens, on prend ce qu'elle avait repéré un truc, j'ai repéré un truc, au final c'est la même chose. Et on s'est dit, bah vas-y, on fait qu'un ticket, comme ça, en divisant deux. Bah. Et arrivé en caisse... Oh, surprise. Surprise, le prix était 10 euros moins cher que ce qui était indiqué, du coup. Ouais. Donc on a pris, on va vous dire les prix après, on a pris le même. On a pris un sweat. Moitié fierté, en plus. Ouais, bah ouais, mais il est trop canon. On était raccord. Ouais, il est trop canon, franchement. Bah. Il est trop canon, et pour information... Préparez-vous, ça fait mal. Ah, mais toujours. Pour le prix normal, en magasin, pas outlet, c'est 79 euros. Déjà, j'ai envie de te dire... Ah ouais, c'est... Mais bon, ça reste du Levi's, hein, c'est juste ouf. Ouais, mais comme... Quand il est arrivé en outlet, il est passé à 55 euros. Je vous montrerai l'étiquette après pour que vous puissiez me croire. Et en solde, il est passé à 25 euros. Et arrivé à la caisse, elle nous a dit, finalement, il passe à 15 euros. Donc en tout, on en a eu pour 11,25 euros chacune. Ouais. Mais parce que du coup, 15 euros l'un et l'autre à 7,50. Faut préciser. Ouais, ouais, mais ouais, mais on a divisé en c'est deux, que, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, on a fait diviser par deux. Mais c'était... Non, on aime bien ça. Ah ouais, ça par contre, on est content. Limite, on en aurait acheté un deuxième. Ouais, ouais, mais finalement, parce que je lui ai dit, je vous avais d'autres prix surprises comme ça indiqués, mais parce qu'on en mais avait repéré. On peut pas le savoir avant d'arriver à la caisse, donc c'est pas question. Mais finalement, l'autre qu'on avait repéré, il était pas non plus en... Non, il restait à 25. Ouais, il restait à 25. Ouais. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'on aurait eu 20... On aurait eu... On aurait quand même pas... Ouais, on aurait fait quand même un ticket... Parce qu'en fait, si on avait payé chacune notre tour, on aurait eu deux fois... C'était mieux encore. Parce que 25, 12, 50, ça faisait donc 37,50 à nous deux, donc il passait à moins de 25 quand même. Oui, bah oui. Ben oui. Bah c'était sur le... Oui, ouais. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Qui veut mourir? Pourquoi les gens? Oh, on a ils s'y font les gens dehors. on fait normal? Non, bah on n'est pas normal, mais le magasin, c'est normal. Le magasin normal, puisque c'est le seul truc qu'on a ouais, pas mais acheté. Ouais, mais on achète en double, en fait, c'est ça notre truc. Ouais, mais c'est normal, c'est nous. On a pris... Ouais, mais c'est pas celui-là que je voulais. C'est, on a pris le soin aérome pour les... pour le durcisseur pour les ongles. Mais moi, d'habitude, je prends le extra
strong. Non, ça ne pousse pas. Vous qui a le extract. Il est rouge. Il est rouge, ouais, c'est ça. Et il y avait plus, j'étais dégoûtée, donc j'ai pris. Bah, oui, il me fait mal au doigt. Bah, en fait, il faut vraiment pas en mettre sur le bord. Ah non, mais même. Ah il ouais. Il me fait mal au doigt. Ah, ouais. La deuxième couche, j'ai mal. Ah bah non, effectivement, ouais. La meuf est chelou. Non, non, mais ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et du coup, on a pris ça, et puis voilà, vu que j'ai plus de semi-paire et de. Puis moi, j'ai trouvé ça. Ouais. Le soin lamellaire, que j'arrête pas de présenter en vidéo. Pour ma longue tignasse. T'as pas chaud, j'en peux plus. Non, ça va. Non, je suis pas normale, là. Ça fait deux jours, je suis pas normale. Elle me fait peur. Bah, elle a ses hormones qui traînent. Mais non, je sais pas. Non, je suis contente de pas être un gars, moi. C'est pas du tout le moment, là. Donc, je comprends pas. Enfin, bref. Je sais pas. On peut pas expliquer ce genre de choses. Ah, et les hormones qui travaillent. Ouais, bah forcément. Quand tu sues comme ça, c'est hormonal. Hein. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui sue à la base, déjà. C'est rien. Moi, je n'ai pas d'odeur. Je n'ai pas de tout ça. On est parti aussi au Sephora, parce qu'il y a deux Sephora dans le... On a fait 12 des Sephora. Là. Ouais, on a fait la 3. Jamais on allé autant chez Sephora. Il y en a deux à Vélep et un à Vélizy. Et en fait, on a... C'est où qu'on a acheté ça? C'est à Vélizy? Non, c'est à Bellevue. C'est quoi ce bruit-là? Il y a quelqu'un qui doit être dehors en train de faire du truc. Et en fait, bah, on a aussi acheté la même chose, mais pas la même odeur. Ouais. Mais moi, c'est pas pour moi, du coup. C'est pour ma maman. On a pris les parfums Donut Drink. Donut Drink. Donut, ouais. Hmm, c'est le parfum Donut, ça sent le. Ça sent le croustillon. Ouais, bah c'est bien. Vous avez toutes les abeilles derrière vous. Pas du tout. Et ça valait trop le coup en fait. Vous avez plusieurs formats. Vous avez un format qui est plus grand qui passait à 19, je crois. Verna. Après, t'as le tout petit, c'est 9,99. Ouais, voilà, t'as l'intermédiaire à 13,99 et t'as le plus petit, ouais, à 9,99. Moi, j'ai pris mandarine et matcha. Et toi, c'était quoi? Jasmin et bérouse. Bah, franchement, je suis étonnée. Moi, j'en avais reçu un de quand ils avaient sorti. Quand ils avaient sorti cette collection, ils m'en avaient envoyé un. C'était le. Tonka, je crois. Tonka, ouais, je cherchais le vert. Ouais, et en fait, je l'aimais bien, mais il est très mixte, et finalement, c'est mon neveu qui l'a pris. Donc voilà, ça, c'est pour ma mère, parce qu'elle adore les parfums avec les agrumes et tout ça, et tout ça. Du coup, ton neveu, il sent l'homme. Il sent l'homme. Déjà, il met du... C'est un bébé, mais il sent l'homme. Du gel touche Adidas. Pas du gel touche, du déodorant Adidas. Ah ouais. On a fait... Ouais. Kiko, tu vas? Oh, bon, allez. Oh, moi, ça va aller vite, regarde. En plus, c'est pas seul. J'ai acheté un crayon et. Non, même pas. Alors, ça, je suis dégoûtée parce qu'il me semble que sur le truc, il l'était. Ah bon? Ouais. Quand elle m'a donné le prix, je fais. Ah bon? Oh, purée. Bon, en même temps, on s'en fout. Pour regarder sur le site. C'est 1 euro que je vais gueuler, mais. Ça, c'est un crayon noir, tout simple? Oui, alors, il n'y a rien de plus bête, mais c'est le seul qui bave pas chez moi. Ouais, et puis il se rétracte. Ouais. Et au bout, vous avez une petite gomme si vous voulez faire un estompeux, machin. Voilà. Ouais, moi, je l'ai aussi. Il est tout bête, hein. Moi, j'ai pris que des soldes chez Kikwacha. Et en plus, j'ai eu un bon d'achat de 10 euros à valoir sur le mois d'août. Écoutez, j'irai. Oh, la bonne excuse, tiens. En tout, chez Kiko, j'en ai eu pour 23,39 €. Voilà. J'ai pris déjà un petit vernis à ongles. Il est trop beau. Il passait à 3 €. Non, mais regardez-moi. Il est trop mimes. Attendez, vous verrez quelque chose. Faut que je me décale encore. Non, 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 t'inquiète. Il y a ma main. Il est beau, hein. Il est vert... C'est un verre d'eau avec des paillettes argentées dedans. Il est trop trop bien. Mon ventre qui fait du bruit. Donc ça, je l'ai payé 3 €. Et ensuite, j'ai craqué pour les highlighters, notamment celui-là. Alors déjà que j'ai chaud, mais en plus, je brille, mais pas que parce que je sue. Hein. Je brille pour l'highlighter aussi. C'est ça que je suis éblouie. J'ai pris l'highlighter. Celui-ci, 8,50 € et celui-ci, 11,89 €. Tu vois, celui-ci, c'était que moins 30 %. Mais il était beau. Je croyais que t'achetais pas si c'était pas... Ouais, bah je lui ai dit, mais bon, elle est magnifique, les highlighters chez Kiko. Ils ont eu raison. C'est comme les highlighters chez MAC. Je les kiffe de ouf. Alors déjà, c'était dans la collection Dolce Vita. Petit packaging. Bah c'est... Ah non, j'allais dire celui que j'ai mis aujourd'hui. Bah si, oui, c'est ce que je viens de dire, de toute façon. C'est de la bonne. C'est la teinte 02 et élégante rose. Et il est magnifique. Bah, de toute façon, je vous le montre comme ça, mais il est là, quoi. Is here. C'est le truc qui fait que vous avez un œil.
Voilà. Ah. Et de la collection Festival Glow, qui est la nouvelle collection, d'ailleurs la dernière collection. J'ai repris aussi un highlighter, donc comme je vous ai dit, 11,89€. Hop, regardez-moi le packaging. Ça fait très grec. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Si, quand même. Regardez. Le petit packaging des familles. Et j'ai pris la teinte 02 Coral B. Et oh, il est... c'est un highlighter, hein, bien sûr, je viens de vous le dire. Et il est cuit. It's a cuit highlighter. J'ai pas l'impression... Si. Voilà, voilà, il est tellement prêt là que vous... Ah, en plus, vous pouvez même vous voir. Oui, je te... c'est clair. Donc voilà pour Kiko. Ouais. Et puis après, c'est Mac. Ouais. Et puis après, on a fini. Oh là là, dis donc. On est parti au Mac de Belle Épine et au Mac de Vélizy. Voilà. Et du coup, bah, on a fait des petits achats dans les deux. On va vous montrer tout ça. Vas-y, je t'en prie. Avec un peu plus d'intrait. Un suppositoire absolument magnifique. Ouais, qui coûte quand même... Ça fait cher du suppo. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'espère qu'il marche. Oh là là, lui aussi, il sue, regarde. C'est normal, c'est normal. Oh, c'est moche. Ouais, c'est du... Je sais pas si tu verras quelque chose, genre... C'est le plume dandy. Voilà. Et c'est un fini qui est frost. Donc le fini qui est frost, c'est un fini qui est très irisé, pailleté des fois. Il est magnifique. Il est un peu métallique et tout ça et tout ça. Mmh. Tu donnes pas les prix? Ah bah oui, mais il y avait... ouais. Ah bah non. Si, non, celui-là, oui. Il était passé à moins 50% de 20,50€. Faites les maths. Ouais, c'est écrit dessus, 10 euros. Oui, mais celui-là, tu l'avais... Celui-là, j'ai 10,25€, elle m'a pas fait. Ah oui, truc. Ouais, ouais, pas sur celui-là, oui, sur le kit, oui. Pour 3 produits achetés, vous aviez 10% supplémentaires. Et en fait, dans le premier, c'est faux, Mac, elle nous a arrangé. C'est-à-dire qu'elle a fait tout passer sur le même ticket pour qu'elle puisse avoir les moins 10 supplémentaires. Sauf que sur le deuxième... Bah, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait, elle aurait pu regrouper. Bah non, parce que moi, à chaque fois, j'avais... Oh, j'avais 1€ de moins, je crois, donc... Le deuxième, c'est le kit... je sais pas comment ils s'appellent. Non, non. Matte lipstick rouge à lèvres. Non, c'est quoi? Velvet Teddy. Bon, non, c'est un kit, je sais pas. C'est un kit où dedans, vous avez le Magic Neutral, le kit. Voilà. Vous avez le Fix Plus, vous avez un rouge à lèvres. C'est quel, le rouge à lèvres? Ah, c'est le Teddy, Velvet Teddy, ouais. Et vous avez le Pep Prime, la base pour les lèvres. Le Velvet Teddy, c'est une couleur qui est très... Je vais Pep and Prime, moi. Ouais, c'est le une couleur qui est crème nude, le Velvet Teddy. Il est vraiment très très beau. Je l'ai mis plusieurs fois en vidéo. Bah, c'est un peu la base. Il fait partie des bases chez MAC avec le Ruby Woo, le Héroïne. Moi, j'arrive à ne pas avoir les bases quand même. Je trouve fort. Hein? J'achète des trucs, c'est pas les basiques. Bah si. Oui, non, enfin. Ouais. Jusqu'à présent. Ouais, bah en même temps, t'aimes bien les trucs. Oui, moi je. Ouais. Non, moi je... Ouais, ouais. Voilà. Donc moi je vous montre, voilà. T'as fini toi? Ouais, j'ai fini. Je vous montre ce que j'ai acheté. Du coup j'ai retrouvé encore une fois des blushs. Déjà la dernière fois je vous avais montré en vlog parce que j'avais fait une commande. Et j'ai retrouvé des blushs pour mettre dans ma pro palette. Mais j'ai pris un petit kit comme... Un petit baume à lèvres comme ça. Merde. À la base ouais, ils étaient à 23,50€. Il est passé à 11,75€. Et pareil, celui-ci elle me l'a pas... Elle aurait pu faire passer tout, donc j'ai pas eu les 10% supplémentaires, mais bon. J'ai pris le Play With Me. Alors ça, ils l'avaient sorti pendant le coco. Ils avaient sorti des baumes à lèvres un peu teintés comme ça. Et c'était cool pour eux, parce qu'on pouvait pas spécialement quoi mettre... Qu'est-ce que cette chose? Ah ouais. On pouvait pas spécialement mettre de rouge à lèvres, enfin, sous les masques et tout, ça servait à rien. Enfin bon, si je le mettais quand même. Mais en fait, c'est tout simplement un baume à lèvres teinté. Donc moi, j'ai pris celui qui était le Play With Me. Celui qui était... Enfin, qui est... un peu rosé comme ça. Et ensuite c'est que des pannes pour mettre dans ma pro palette, des blushs. Par contre il y en a un, j'ai pas compris. Pourtant il y a bien écrit que c'est un blush. Ouais, power blush, fard à joues et tout. Bref, au lieu de 20€ il passe à 10€. Mais j'ai pas compris, vous allez voir pourquoi. En fait il a le format d'un fard à paupières. Donc je suis dégoûtée. Donc ça c'est le... Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Never say never. Et du coup bah, j'ai pris le blush qui se ressemble, qui lui ressemble aussi, mais il y a un sous-ton de différence. C'est le... Alors, le sous-ton, c'est le demi-sous-ton. Ouais. Parce que punaise. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui pour voir la différence. Hein. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et c'est le Frankly Scarlett.
C'est la chaise. Vous voyez, ça, c'est un vrai panne. Ouais, il est un chouille plus clair, celui-là, quand même. Et bon courage. Mettez en dessous si vous voyez la diff, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai le nez dessus. Mais si. Mais donc, du coup, ça, c'est censé être aussi un blush, donc je comprends pas. Bref. Et en magasin, comme ils sont dans les pochettes comme ça, vous voyez pas la taille, vous avez juste le rond. Bref, ensuite, j'en ai pris un autre, c'est le Melba. Il est beau, celui-là. T'as un petit côté un peu waouh. Et le dernier que j'ai pris, alors celui-ci il pète, c'est le Sketch. Il est trop beau, il est, c'est un aubergine hein, clairement. Il est magnifique. Il est magnificos. Et j'ai bien fait aussi attention de ne pas reprendre des doublons. Donc voilà, ça je vais pouvoir les mettre dans ma pro palette. Et mais il y a encore de la place du coup. Non, maintenant c'est fini. Maintenant il n'y a, plus de place, c'est mort. Voilà. Donc, à peine acheté, voilà. Déjà rempli. Ouais, bah ouais, mais ça valait trop le coup avec les soldes parce que t'as vu, normalement ils passent à 20 euros les pannes. Et j'ai eu 3 pannes comme ça pour 27 euros. Ouais. Alors que, il n'y a plus de place dans la palette. Ouais, mais bon, ça vaut trop le coup quand vous voulez partir comme ça, prendre non, une petite palette. Non, mais sérieux. Non, il est légèrement plus, plus foncé celui-ci, il est pas pareil. Enfin voilà pour nos achats des soldes, la dernière des marques, et il n'y aura pas d'autres vidéos soldes de toute façon, parce que voilà, de toute façon quand vous verrez cette vidéo, les soldes seront déjà terminés. Cherche bien. Bah je cherche, hein. Franchement je cherche. Donc voilà, dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez fait des achats. Et si toi aussi tu ne vois pas la différence, mets un petit lapin. Pourquoi un lapin, je sais pas. Mais mets-moi un lapin si toi non plus tu ne vois pas la différence. Bref. S'il vous plaît. Ouais, dites-nous si vous aussi vous avez profité des dernières des marques sur les soldes ou pas du tout. Si vous avez trouvé. Moi je sais que l'année dernière, le bon plan solde pour moi c'était le matelas Emma, mon matelas. Je l'avais acheté pendant les soldes. Ça valait trop le coup. Moi j'aurais dû attendre les soldes pour acheter le mien, mais qu'est-ce qu'il est bien. Ouais, mais t'as pas eu une réduction? Si, j'ai eu une réduction. Bah ouais, je sais pas dans les soldes. Non, le bon plan solde, pensez à aller faire un tour chez Obad, les gens. Ah oui, c'est vrai, t'as pas dit parce qu'elle veut pas montrer. J'ai pas montré, mais j'ai. Elle s'est pris un sous-vêtement à moins 50% quand même. Ouais, 50%. Bah 50% de 115. Non, 150. 250, oui, pardon. Oui, c'est chez Obad. 150. Mais bon, c'est de la bonne apparemment. Ah oui, alors par contre, oui. C'est pour ça que je donne le plan. Mais bon, tu veux du Obad, tu veux pas le payer. Ouais, prends si vous solde. Êtes comme moi et que vous avez des gros tétés, c'est mort. Zalando, ils avaient bien commencé. Premier jour, moins 50. Ah ouais? Ouais. Et en plus, Zalando, si t'as. Zalando. Zalando. Si t'as, des... si t'as un compte, t'as pas des... des fois des trucs en plus? Non, ça... non, c'est pour tout le monde. T'as... Des fois, t'as un code en plus, t'as 10% de plus. Enfin, bon, parce que bref, t'as aussi l'application Zalando privé. Moi, j'ai Zalando privé. Ah oui, moi, j'ai pas. J'ai pas. C'est les ventes privées Zalando, ça va encore plus. Mais ouais, dès le premier jour, 50% dessus. Donc... Oh, dis pas non. Ah, mais moi, je n'achète pas mes tu me souviens. Bah non, prix fort. Non, je refuse. Moi, je peux me permettre parce que mon soutien. Déjà là, bon, c'est cher, mais. Ouais. Moi, les soutiens-gorge grande taille, vous me demandez souvent, je prends sans complexe que j'achète chez Leclerc, Cora et tout, j'ai un truc qui me gratte sur le pif. Et je peux me permettre, à ce prix-là, j'en achète. Ouais. Que là, moi, c'est le plus cher que j'ai de la collecte. Ah ouais? Oui, ils tous ont les autres, je les ai payés moins de 50 euros. Ah ouais, ça vaut le coup. Ben, regardez tout ce qui est vente privée, tout ça, les soldes et tout. Ouais. Ne jamais acheter à un prix fort. Non, enfin, non. Ou alors, si, quand tu fais un cadeau. Et encore, franchement. Mais même pour un cadeau, putain. Tu peux, t'as le droit de faire des cadeaux en solde. Oui, même du seconde main en cadeau. Ouais, bah ouais, et des fois ça fait même plus plaisir pour les personnes qui aiment tout ce qui est vintage, rétro, ou qui sont justement pro seconde main et tout. Bah ouais, ou plein. Moi ça me dérange pas pour tout, des sacs, des bijoux. Des bouquins. Des bouquins, surtout les bouquins, toi qui bouquines beaucoup. Moi j'ai fait ça à mes collègues là. Ouais, bah c'est un beau cadeau. Qui sont plus édités, c'est cool. Ah bah c'est un beau cadeau. Voilà, on est d'accord. Même seconde main. Enfin dites-nous en tout cas en commentaire si vous avez profité des soldes ou pas. Voilà. En tout cas, c'était notre boudin. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais, pour une fois. Parce que la dernière fois, ça a duré une heure. Donc, on va s'arrêter là. Ouais. Pour une fois, c'est court. Tant mieux. Pensez à moi pour le montage. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. On vous fait de très gros bisous. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.